C'est Tora Kinshasa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise dont voici le sommaire, ouverture et session ordinaire de mars 2022 aux deux chambres du Parlement. Modeste Baati-Lukwebo et Christophe Mboso ont tous fait un discours bilan de la vie nationale et internationale, chacun dans son secteur d'activité et puis des embarcations montées des militaires pour la sécurisation du lac Kivu et Edouard. C'est un don du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le site de la régie des eaux Boindé n'existe presque pas. Plus pollution avec construction anarchique, c'est le constat du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mounzemoukalin. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement après 3 mois de vacances parlementaires présidées par le professeur Modeste Baati-Lukwebo. Cette session s'ouvre avec une riche actualité sur le plan international, continental, régional et local. Dans son discours, le président a fait le bilan. On en parle avec Sandra Nyangitabou. Fini les vacances parlementaires, les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple ce mardi 15 mars. Une nouvelle session, la première de l'année en cours, présidée par le speaker, Modeste Baati-Lukwebo. Dans son discours bilan, le président du Sénat a passé en revue les grandes réalisations des différentes institutions du pays. De la politique, en passant par l'économie, le social, l'environnement ainsi que la défense et la sécurité, mais aussi la situation politique à l'étranger, marquée par des conflits entre la Russie et l'Ukraine. Sur le plan économique, le professeur Modeste Baati-Lukwebo, économiste de son État et vigile du respect de l'exécution du budget de l'État, a formulé quelques recommandations au gouvernement de la République pour l'exercice 2022. Pour le président du Sénat, le budget ne doit plus être une simple formalité ou encore un rituel annuel des bonnes intentions sans impact réel sur le quotidien du peuple congolais. Pour éviter le paradoxe entre les mauvaises conditions de vie de la population et l'abondance des ressources dont regorge le pays, la lutte du gouvernement devra absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Cela dans la perspective de la création des richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. Je demande au gouvernement de fournir des efforts pour la mobilisation optimale des recettes à travers les régies financières et tous les services d'assiette. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Toutes les mesures d'accroissement des recettes, notamment la lutte contre l'incivisme fiscal, le coulage des recettes, la corruption, la fraude fiscale et douanière, nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes aux fins d'une meilleure exécution du budget 2022. Des efforts fournis dans le secteur de l'éducation par le gouvernement Samalou Kondé pour concrétiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été salués à juste titre par le président du Sénat qui a par la suite recommandé au gouvernement de promouvoir la production locale de biens de première nécessité afin de combattre la spéculation de prix de la part des opérateurs économiques. Il exhorte le gouvernement à bien communiquer en matière de prix car le pays n'est pas à l'abri de l'inflation car la RDC importe une grande partie de biens et équipements de consommation. Le président du Sénat, Modeste Baati, a clos son allocution en appelant ses collègues sénateurs à une mobilisation générale pour une production législative plus intense sur le plan qualitatif et quantitatif, afin de donner encore à la Chambre haute du Parlement une image nouvelle et positive. Et à l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de cette session, le président Christophe Mboso a dans son mot d'ouverture rappelé la mission essentielle d'un député national, celle de légiférer, contrôler le gouvernement et surtout prendre des décisions qui ont un impact réel sur le vécu quotidien de la population. Sylvie Moïmbo.
Pendant les trois mois de la session ordinaire de mars 2022, les députés nationaux vont s'occuper de plusieurs matières dont le plus saillant porte sur la réforme de la loi électorale et l'adoption de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Commission électorale nationale indépendante. La raison est qu'il y a de quoi à garantir au pays des élections crédibles et transparentes. Rappelons les contextes dans lesquels se tient cette session. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a invité les élus du peuple à s'impliquer avec beaucoup plus de sens des responsabilités dans les questions liées de plus près à la politique, à la sécurité, à la santé, à la diplomatie ainsi que à l'environnement. Tâchons de nous hisser à la dignité et à l'exigence de notre noble fonction. Nous devons donc rester déterminés à poursuivre avec dévouement les mandats de représentation du peuple congolais, car seule sa satisfaction et son bien-être doivent prévaloir sur nos intérêts individuels. Avec le gouvernement et les autres institutions nationales, l'Assemblée nationale s'engage à consacrer toute son énergie à la nécessité de mettre un terme à l'activisme de certains groupes armés qui sèment encore l'insécurité dans certains parties du territoire national. Il s'agit notamment des actes de barbarie dont les populations de plusieurs contrées de la République continuent à être victimes. Et en particulier nos compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu, victimes de nombreuses atrocités perpétrées par des groupes terroristes, des ZADF et autres groupes armés opérant dans la partie est de la République. Le calendrier de la session de mars 2022 reviendra sur un certain nombre d'arriérés législatifs et ne manquera pas de jouer de tout son poids dans les contrôles parlementaires. Restons toujours à la chambre basse du Parlement pour parler de l'exposition des photos de nos phares d'essai au front pour interpeller l'opinion nationale. Eh bien, le Premier ministre, le président du Parlement ainsi que le ministre de la Communication et Médias ont loué cette initiative. Deux images qui renvoient à la situation de FARDC au front aujourd'hui exposé dans le hall du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, initiative du ministre de la Communication et Médias, une œuvre qui porte la signature de ces natifs de Goma venus pour la circonstance. Je suis Christophe Madiano, je suis un photographe commercial. Juste après l'ouverture de la session de mars, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le président de deux chambres du Parlement ainsi que le membre du gouvernement ont été nourris d'explications claires au sujet de ces différentes représentations. Nous avons fait un diaporama très long de photos des FARDC et nous avons travaillé 3 ans avec l'armée. Pour le ministre Patrick Muyaya, il s'agit non seulement de donner un coup de projection au travail de ces Congolais, mais aussi un moyen de soutien aux FARDC. Doivent comprendre que nous sommes avec eux, que nous comptons sur eux pour la résolution de la crise à l'est du pays notamment, et des initiatives de ce genre on va multiplier pour que beaucoup de Congolais nous accompagnent dans le cadre de cette campagne Bendele Koyate. Pour Christophe Madiane, la motivation lors de la conception de cette exposition demeure de compter autrement le mérite de nos hommes en uniforme. Nous avons une armée qui fait du bon boulot et que nous voudrions que tout le monde sache. Pour ces députés et sénateurs ainsi que journalistes, il faut plutôt un soutien tous azimuts au FARDC. De les encourager, de leur dire de continuer à faire ce qu'ils font avec beaucoup d'amour, beaucoup de patriotisme. Bobunda, Bobunda Ponamboka. Nous allons continuer à rester derrière notre drapeau comme nos FARDC sont en train de le faire. Nous allons apporter notre soutien d'une manière ou d'une autre. Soyons tous derrière nos FARDC. Ce sont de vaillants soldats, ce sont des patriotes, des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles. Nous sommes des cœurs avec vous. Deux images et messages qui doivent rappeler à la mémoire collective le travail fait par nos héros au front pour défendre l'intégrité nationale. Les réactions en rapport avec l'ouverture de cette session ordinaire de mars 2022, on en parle avec nos reporters. Cette façon de laisser les députés dans leurs activités d'initiation des lois et de contrôle parlementaire, ce serait une bonne chose. Nous sommes
Au niveau de notre dernier virage, en ce qui concerne les préparatifs des élections de 2021, une importance capitale, bien entendu, peut être accordée à ce processus de préparatif des élections de 2023 dans les délais constitutionnels. Nous pensons que tout ce qu'il a évoqué dans son discours tel que présenté par la CENI à l'époque, tous ces verrous d'obstacles doivent absolument voler, sauter pour qu'effectivement que nous ayons ces élections. C'est un discours qui ramasse pratiquement plusieurs compartiments de la vie. Il rencontre les questions sociales, les questions économiques et surtout un accent sur l'activité parlementaire. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de politiques publiques qui tendent à protéger, à sécuriser la population. C'est un débat qui va certainement s'inviter à côté de celui politique qui concerne la loi électorale. Donc on a aussi clairement dit que le Parlement avait un rôle à jouer dans le respect du calendrier électoral. Il y a des lois qu'on doit produire pour permettre à la CENI d'être à jour. Donc on nous a mis devant nos responsabilités et nous pensons être à la hauteur. Nous aussi nous sommes contents parce qu'il a clairement reconnu la faiblesse par rapport au contrôle parlementaire. Le discours équilibré, mais je retiens qu'effectivement, nous ouvrons la session sur le fond des crises parce que, comme vous le savez, il y a toujours la question éminemment sécuritaire qui se pose au niveau de l'Est où, malgré tout ce que nous avons fait avec les FARDC ou alors dans la mutualisation avec les forces de l'UPDF, forces ougandaises, des problèmes continuent à se poser sur le terrain parce que les gens continuent à mourir. Pas plus tard qu'hier, une quarantaine de personnes ont encore été tuées dans le secteur de Benimbaou. Et nous pensons qu'un travail doit être fait pour que les opérations soient réorganisées ensemble dans cette mutualisation avec les forces ougandaises. Changeons de chapitre à présent. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingi a regagné Kinshasa le lundi 14 mars 2022 après un séjour de travail dans le Grand Équateur, ce qui lui a permis de découvrir, de palper du doigt les réalités du Congo profond. Patti Tondongo Kizunda. Au terme de son séjour de 3 jours dans le Grand Équateur, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingi a, avant de regagner Kinshasa, résumé les grandes lignes de son séjour de travail dans cette partie du Congo profond. Bon, d'abord, pour moi, c'est un honneur d'être venu ici à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visiter pour la première fois le Grand Équateur. C'était bien sûr la préparation de la conférence des gouverneurs qui doit se tenir ici, selon la volonté du chef de l'État et telle qu'annoncée d'ailleurs lors de la dernière conférence des gouverneurs. J'ai eu d'abord l'occasion de communier avec la population qui m'a offert un très bel accueil, ce pourquoi je les remercie. Effectivement, ça fait plusieurs années, on a parlé de près de 40 ans, mais bon, ça fait au moins plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu un Premier ministre qui s'est rendu ici dans le Grand Équateur. Et donc, je pense que tout ceci entre dans cette ligne de compte pour lequel on a eu cet accueil qui était très chaleureux. Par la suite, nous avons eu l'occasion d'avoir un conseil de sécurité élargi parce qu'on n'était pas seulement avec le gouverneur ici de l'Équateur, mais on était aussi avec les membres des autres provinces, notamment de la Chuapa, du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Mongala. Pour nous, une très belle communion, un très bon moment et un très bon message aussi à donner, surtout dans cette année où nous comptons recevoir le pape très bientôt, d'ici le mois de juillet. Il faut honorer nos saints, et donc c'était l'occasion de le faire. Les travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja seront exécutés sous la supervision du ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui était à la suite du Premier ministre dans sa tournée. Quant au chapelain du pape, Mgr Donatien Cholet, ce pèlerinage a permis au chef du gouvernement de découvrir les réalités du Congo profond. J'étais particulièrement content que le Premier ministre découvre le Congo profond, qu'il découvre ce coin du pays qui est différent du Katanga, qui est différent de Kinshasa. Satisfait de sa tournée, Jean-Michel Samalukonde Kingi dit repartir avec les sentiments que le Grand Équateur est prêt à accueillir cette grande manifestation qui est la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo, rencontre qui sera présidée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les activités du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, on en parle dans ce reportage.
Bien faire et le faire savoir. C'est autour de ce principe sacro-saint des relations publiques que le cabinet du chef de l'État s'est réuni ce mardi dans la salle de congrès du Palais de la Nation pour un séminaire de renforcement de capacités et du bon fonctionnement des services au sein du cabinet du chef de l'État. Ces assises de 3 jours, présidées par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, représentante du directeur de cabinet, se sont focalisées en cette première journée sur le département de la cellule de communication et le porte-parole. Dans sa prise de parole en luminaire, Nicole Toumba-Boacha a avant tout circonscrit le cadre de ces assises. La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État fait remarquer qu'il s'agit ici d'améliorer le fonctionnement du cabinet du président de la République. La question ici, ce n'était pas de se faire des pics ou de s'auto-flageller, mais c'est simplement arriver à améliorer, on va dire, le fonctionnement du cabinet pour que aussi l'extérieur puisse comprendre qu'il y a une certaine cohérence entre tous les services du cabinet. Sous le feu de projecteurs étaient mis Eric Nindou, directeur de la cellule de communication, et Tarsis Kasongo Mwema Yamba, porte-parole du chef de l'État. Le premier orateur a dans son exposé présenté les services qu'il dirige, son fonctionnement et ses attributions. Le directeur de la cellule de communication a été complété par ses adjoints Giscard Koussema et Jean-Pierre Wafouana. Le même exercice a été fait par le porte-parole du chef de l'État qui a expliqué les principales missions de son service. Au terme des exposés, les jeux des questions-réponses s'en est suivi pour permettre d'éclairer la lanterne des participants à ces séminaires. On a pu expliquer donc à nos collègues, ceux qui font partie du cabinet du chef de l'État, mais aussi des services de la présidence, quel est notre travail, qui nous sommes, comment nous travaillons et pourquoi nous travaillons de cette manière-là. Ça permet, dans cet échange, ce partage de sens et ce partage de valeurs et d'informations, de pouvoir mobiliser tout le monde. Maintenant, les gens savent un petit peu mieux comment nous travaillons et comment nous faisons les choses. Donc, on a besoin de leur contribution. Je pense que ce séminaire nous a, en tout cas, beaucoup aidés, dans la mesure où il nous a permis d'abord de faire un peu mieux connaissance avec certains services. Nous avons encore 2 jours pour découvrir d'autres services avec qui nous intervenons, ou nous interférons aussi. Mais je pense que ça aura une répercussion. Je suis véritablement intéressé de savoir, peut-être à la fin, quelle évaluation on va en faire et quelles leçons on pourra tirer. Après les services de communication, d'autres services vont également prendre la parole dans ces séminaires pour le bon fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Près de 2000 chaises pupitres ont été remises au centre supérieur militaire qui est situé dans la commune de Ngaliema. C'est un don de la MONUSCO, don qui s'inscrit dans le cadre de la remise à niveau des infrastructures militaires d'enseignement. Georges Frédéric Ndimbo, reportage. 1950 chaises pupitres ont été remises officiellement au centre supérieur militaire par la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, MONUSCO. Une cérémonie présidée par la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Séraphine Kiloubou-Koutouna, représentant la ministre Gilbert Kabando Mission. Nous allons seulement vous recommander à ce que vous... Je vous remets cet échantillon de chaises. Le représentant du chef d'état-major général a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son implication dans le partenariat entre la MONUSCO et le Centre supérieur militaire, un partenariat qui en ces jours produit des effets palpables. La chef de la section du secteur de réforme de la MONUSCO a quant à elle indiqué que ses dons s'inscrivent dans le cadre de la résolution 2556 qui privilégie la formation et la remise à niveau des infrastructures militaires d'enseignement dans le but de promouvoir le renforcement de capacités. Dans le respect des normes nationales, internationales et des droits de l'homme. L'attente de ces objectifs reste subordonnée à un ensemble de conditions. Cette importante cérémonie s'est clôturée par une brève visite de locaux de cet établissement d'enseignement militaire et par une photo de famille.
Des embarcations montées, des mitrailleuses pour la sécurisation des lacs Kivu et Édouard. Le président de la République, commandant suprême, met le boucher double pour prêter main forte à la 33e, au 33e groupement naval qui est appelé à monter en puissance. Ce matériel flottant a été présenté au lieutenant général Constant Ndima, gouverneur militaire du Sud Kivu. Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux constituée des speedboats au mieux de coques, polyester et zodiac a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au nord Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant général Constant Ndima Kongba, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval, bénéficiaire direct de cet outil de patrouille sur les eaux congolaises. Voilà encore une fois l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population et aussi surveiller notre frontière la plus. Des patrouilles de combat, des missions évidentes, la lutte contre la pêche illicite, le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises, voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rachidi. On va nous aider plus pour traquer les pêcheurs clandestins, les lutter contre le gadage. Ce matériel a la capacité de transporter jusqu'à une section des Marines équipée de PKM et de Motorola pour la communication. Et comme annoncé à l'ouverture de ce journal, le site de la Régie des eaux Boindé n'existe presque plus. Spoliation avec construction anarchique, la crasse des faits que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mokaleng, a personnellement vu au cours de sa visite. Yvette Makoutima, Oscar Mbal. Chouapa. Cette province, issue du démembrement du Grand Équateur, éprouve d'énormes difficultés dans la fourniture d'eau potable et électricité. La Régie des eaux n'existe que de nom, avec des installations vandalisées par les occupations anarchiques. Les services du cadastre opérant à Boindé ont octroyé des actes de vente à la population qui occupe aujourd'hui illégalement les sites de la Régie des eaux. Son usine labo a été transformé en un dépotoir d'ordures, voire un lieu d'aisance pour certains. La Régie des eaux n'existe plus dans cette partie du territoire national. Pas des robinets non plus, à part ces forages d'eau. Une situation que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mokaleng, déplore. Après plus de 20 ans, nous devons tout refaire. Donc, nous allons ramener de l'eau potable, nous allons ramener les installations de la SNEL ici. Quant à la gestion et la maintenance, nous demandons et nous faisons un appel à la conscience de la population. Juste à côté de ces bâtiments administratifs se trouve la centrale thermique de Boindé. Ici, tous les deux groupes sont à l'arrêt et n'attendent que leur réhabilitation. Hormis ces groupes de secours, des 550 kV-ampères qui tournent au ralenti et consomment 60 litres de carburant par jour. Il s'agit maintenant de travailler sur le réseau de distribution basse tension et je pense que comme il y a déjà une équipe qui est venue en décembre, ça peut se dérouler assez rapidement. Une visite de 2 heures qui a permis à Olivier Mwenze Mokaleng de poser les diagnostics et trouver des solutions idoines. Le ministre des Ressources hydrauliques a donné de l'espoir à cette population de la province de la Chuapa qui manque de tout, paradoxalement, recèle d'énormes potentialités et ressources naturelles.
Les priorités et stratégiques du projet d'appui à la connectivité et au transport étaient au centre d'un échange entre le directeur général ad intérim du Fonds national d'entretien routier et une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice sectorielle du transport et d'infrastructure pour l'Afrique centrale, Eurydice Kitoto. Au cours de ces échanges, il était question d'alimenter la conception du projet d'appui à la connectivité et au transport. Avec un coût global de 750 millions de dollars américains, ce projet du groupe de la Banque mondiale, qui concerne 660 km de route, vise à connecter l'Est à l'Ouest de la RDC par les infrastructures routières. Ce projet permettra au gouvernement de mettre en œuvre des réformes de bonne gouvernance. Pour cette délégation, le leadership féminin à la tête du Fonds national d'entretien routier est reconnu et encouragé. On a vu le progrès fait par le FONER pour avancer dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Et le projet PACTE en cours de préparation va continuer à appuyer le FONER et le gouvernement de la RDC à améliorer la gouvernance du secteur routier et de tous les autres secteurs de transport. Ce projet sera réalisé en deux phases. La première attend son approbation et la seconde a déjà identifié deux routes sur la route nationale numéro 2. Et puis, tout à fait autre chose à présent, à Matadikibala, dans la commune de Mangafula, nous sommes à Kinshasa, la campagne de sensibilisation des vendeurs véreux dans ces marchés pirates pour un nouveau site situé au camp PM a été officiellement lancé. On en parle avec Willy Atunakov. Suite au drame survenu dernièrement à Matadikibala, dans la commune de Mongafula à Kinshasa, l'autorité urbaine de la capitale tient strictement à faire appliquer la décision relative à la délocalisation de marchés pirates érigés le long de la route nationale numéro 1 et sur les emprises publiques de la ligne haute tension de la SNEL. Voilà qui explique le lancement officiel lundi 14 mars 2022 de la campagne de sensibilisation des vendeurs véreux qui sont sommés d'évacuer les lieux prohibés pour aller s'installer provisoirement sur les sites en cours d'aménagement situés au camp PEM non loin de là. Cela en attendant la construction dans les tout prochains jours d'un marché ultramoderne tel que décidé par le gouvernement central. C'était au cours d'une rencontre capitale présidée par Pélé Bofini, administrateur gérant du nouveau marché provisoire, à l'intention des responsables concernés par ces dossiers délicats, en présence de Daniel Eyalé et Emery Kanka, représentants personnels respectivement du gouverneur de la ville et du bourgmestre de la commune de Mongafula, ainsi que de Roger Kibansa, directeur général de la REGEMEC, entendait Régie de gestion des marchés de Kinshasa. À en croire Ose Ngolo Nkiani, PDG du magazine 100% Bopeto et Sarel, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois, le mois de mars, dédié justement à la femme. Les cris d'alarme des cadres et agents du programme national de l'hygiène aux frontières a besoin d'être entendu, sinon les ressources de l'État prennent les voies de tourner au bénéfice des individus. Edi Tchala. La situation au programme national de l'hygiène aux frontières nécessite une thérapeutique de choc. Les autorités de la République, notamment celles de la santé, sont bien au parfum de ce qui se passe. Les agences et cadres n'en peuvent plus. La gabegie financière bat son plein. On dirait les vieilles habitudes peinent à quitter les responsables congolais. La prime réservée aux travailleurs de terrain fait les affaires des responsables du programme pour une prime estimée à 300 000 dollars pour tous. Les fiches ici présentes indiquent le montant perçu par chacun des agents de terrain. La clé de répartition est très éloquente par encaissement. Où va cet argent quand les rentrées du programme national de l'hygiène aux frontières s'évaluent à millions de dollars? Où va cet argent quand les rentrées du programme national de l'hygiène aux frontières s'évaluent en termes de millions de dollars? Nous vous l'avions fait la démonstration il y a quelques jours déjà. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, devra agir le plus tôt pour épargner le programme national de l'hygiène aux frontières de ses saignements à blanc.
Politique à présent, le secrétaire général de l'UDPS poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï, à Ngandajika. Augustin Kabuya a sensibilisé la population de cette partie du pays. Occasion pour lui d'interpeller le comité fédéral de l'OMAMI autour de deux questions, autour de la question de rallumer la flamme de ce parti, Alain Bikaï. C'est par le chef lié du territoire de Ngandajika que le patron de l'administration de l'UDPS a fait son entrée dans la province de l'Omami. Malgré le mauvais état des routes, Augustin Kabuya a été déterminé à palper la réalité de son parti et du Congo profond. Ngandajika s'est mobilisé pour écouter les porteurs de messages politiques de Félix-Antoine Tshisekedi à son peuple de cette partie du pays. Augustin Kabuya était devant un public chauffé en blanc, agitant des drapeaux de l'UDPS et des partis de l'Union sacrée. Sur un ton ferme, le secrétaire général a demandé à l'assistance à refuser d'être otage politique de certains politiciens de ces coins qui cherchent à les opposer. Félix Antoine Tshisekedi est au courant de votre situation sociale et c'est dans cette optique qu'il a initié le projet de développement de 145 territoires pour améliorer vos conditions de vie, a-t-il renchéri. Il a ensuite recommandé aux habitants de ces territoires la cohabitation pacifique et l'amour du prochain pour honorer le mandat du chef de l'État. Après, il s'en est suivi l'investiture des membres du comité fédéral de l'OMAMI. Seul ce comité peut engager les partis d'Étienne Tshisekedi dans cette contrée de la République. C'est par la visite du chantier de construction du bâtiment de la Fédération de l'OMAMI que le numéro 1 de l'IDPS a bouclé sa visite en Ngandajika. Notamment, le secrétaire général et sa suite ont pris la direction de la ville de Mweneditu pour les mêmes exercices. Et en religion, pour terminer, le groupe d'intercession pour la nation a organisé une journée de prière et d'intercession pour la nation. On en parle avec Natacha Mumbanda. Une journée de prière a suffi aux femmes du groupe d'intercession pour la nation INASET de méditer en faveur du président de la République, des autorités du pays et de toutes les femmes du monde, dont celle de la RDC. Cette journée de prière et d'intercession s'inscrit dans le cadre du mois de mars consacré à la femme. Question d'implorer la miséricorde des dieux pour les femmes victimes des différentes atrocités au monde. Le président national de l'INASET, le pasteur Étienne Moulumba, chargé de logistique de la maison civile du chef de l'État, reconnaît plutôt que la femme est mieux écoutée par Dieu. Il a exhorté les femmes congolaises à se lever et à prier pour la nation et le chef de l'État. En tant que chrétien, je lance un appel à toutes les mamans du monde, en général, surtout les femmes congolaises, de prier surtout pour la nation, de marcher selon la parole de Dieu et nous aurons un monde transformé, un monde selon le Créateur. Dans sa prédication, Rose Kupa Kwanzambi a tiré son inspiration sur les Écritures saintes d'Estra. Entendez, femme, solution, lève-toi, cette affaire te concerne. Selon Madame Rose Kupa, l'INASET a besoin des femmes vertébrées du genre de la reine Esther. Celle-ci avait intercédé en faveur du peuple juif auprès du roi. Elle avait reçu une réponse favorable à sa préoccupation pour les enfants des dieux. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité, mais avant de nous séparer, le rappel des titres, ouverture session ordinaire de mars 2022 aux deux chambres du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, respectivement président de la chambre haute du Parlement et celle de la chambre basse, ont fait un discours bilan de la vie nationale et internationale des embarcations montées des mitrailleuses pour la sécurisation du lac Kivu et Édouard. C'est un don du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, le site de la régie des eaux à Boindé n'existe presque plus. Spoliation avec construction anarchique. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moukaleng, a vu personnellement cet état des choses. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Téti Samba, au revoir et à la prochaine.